Dieu a choisi David, un jeune garçon, pour être le prochain roi d'Israël. Quelle action surprenante et à la fois qui n'est pas surprenante. À travers l'histoire du peuple de Dieu, partout dans la Bible, il y a des personnages négligés qui sont appelés par Dieu et qui accomplissent de grandes choses. Quel serait notre monde si nous imitions Dieu, si nous étions capables de voir jusqu'au fond du cœur des gens, si nous arrêtions de nous fier aux apparences extérieures? Comment pourrions-nous transformer notre monde, créer quelque chose de meilleur, simplement en oubliant tous les détails, toutes nos premières impressions et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment?